Ça a commencé comme du polish, mais plus on creusait certaines maps, plus on s'est rendu compte que certaines maps avaient beaucoup plus de potentiel. On s'est mis dans une salle de meeting, on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour les nouvelles générations de consoles? On voulait rester fidèle à l'ADN du jeu, tout en améliorant sa qualité graphique. L'objectif de The Rim Beyond, c'était de reworker tout le contenu existant de Dead by Daylight depuis sa création. Bien sûr, c'est les maps qui nous ont demandé le plus de travail, donc on a commencé par ça le plus tôt possible. Et puis ensuite, on a vite enchaîné sur les personnages, les animations et leurs VFX. Le processus pour créer une map, on reçoit la vision artistique et créative. Ensuite, ça vient vers nous, donc on reçoit des concept art, on décortique tout ça avec le level designer, avec notre équipe artistique, et on fait en sorte de l'updater au fur et à mesure en regardant l'état actuel des maps qui datent il y a quelques années. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas ajouter plus d'éléments dans les pièces, comme ça le joueur il s'y retrouve, pourquoi pas ajouter plus d'atmosphère, de mood, de VFX. Donc on a travaillé avec toute la team justement pour faire revivre ces émotions-là que le joueur n'aurait peut-être pas ressenti il y a quelques années quand le jeu est sorti. Le plus gros challenge qui a été là pour, par rapport à toutes ces updates et ces choses comme ça, c'est vraiment qu'il a fallu se remettre en question. Il a fallu se poser les bonnes questions en disant qu'est-ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on veut aller en fait avec ces updates-là. On va faire en fait des nouvelles textures, les textures vont être en 4K. On va avoir aussi des updates visuels sur certains outfits. Donc on va aller refaire ces outfits-là qui sont un peu comme démodés puis qui ne suivent plus vraiment en fait la même direction artistique qu'on a actuellement. Il y a certains, pareil, des vieux cheveux, des vieilles coupes de cheveux en fait qui ont été faites auparavant, qui ont eux aussi besoin d'un gros update visuel pour être à jour par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est sûr que c'est jamais facile de dealer avec du data d'il y a quelques années. Ce qu'on essaye de faire avec la team présentement, c'est d'adresser ce que les players nous auraient communiqué à nous. En ce moment, notre plus gros topic, ce sont les performances. On veut que les players expérimentent la même vision qu'on aurait eue de console next-gen jusqu'à mobile. On avait aussi à cœur de rendre le jeu plus accessible pour tout le monde. Et The Rim Beyond, c'était vraiment un moment parfait pour travailler sur des modes d'accessibilité comme le mode daltonien. Je pense que l'update que j'ai préféré, c'est sûrement la première. On était vraiment très curieux de voir les réactions des joueurs quand on allait sortir les deux premiers reworks. Et quand on a vu qu'on avait des feedbacks surtout positifs, ça a été un vrai soulagement pour toute l'équipe. Plus récemment, j'aurais pas pu rêver mieux pour le travail sur Hormone. L'équipe a fait un travail vraiment fantastique en donnant une touche unique à cette map. Je suis vraiment très fier. Je pense que mon choix personnel serait peut-être la première map qu'on a travaillée tous ensemble, parce que c'est là où j'ai eu l'opportunité de connaître toute l'équipe de Dead by Daylight. Ça serait Springwood. Sinon, pour les dernières, ça serait peut-être celle qu'on a fait récemment, donc The Game et Asylum. C'est quelque chose d'un peu nostalgique. Moi, ça fait 5-6 ans que je suis sur le projet. J'ai été sur les premiers killers qui ont été faits, puis de voir aujourd'hui, 5-6 ans après, ce qu'on est capable de faire. Moi, je trouve ça génial.